C'est reparti pour les aventures d'Indy. Direction Prague. Là où on s'était arrêté l'autre fois d'ailleurs, hein, tout simplement. Une petite ambiance à la Castlevania maintenant, Ouais, en fait, avec il le n'est pas recul. si abandonné que ça, ce château. Ah ouais, Un en jeu plus, assez discret. château Je abandonné. préférerais éviter les ennuis. Il y a un petit mafieux dans le coin. Donc il dit qu'il peut faire rester discret, mais de toute façon on peut vraiment marcher en mode discret. Enfin, on peut juste marcher quoi, tout court. Donc on va essayer de se le faire. Il y a une bouteille là, j'ai vu l'autre fois. On va la prendre, l'acheter. J'ai vu qu'on pouvait aussi... En fait, en restant un pied plus longtemps sur la touche jetée, on la jette plus loin, hein, en fait, tout simplement. C'est sûrement ce qu'on va faire. Dès qu'il s'arrête, avant qu'il se retourne, je vais jeter le truc le plus loin possible. Pour qu'il regarde devant lui, sans qu'il se retourne, pour essayer de se le prendre. Parce que encore on pourrait s'accroper et puis marcher plus vite que lui. Ça pourrait le faire, mais là on va à la même vitesse du coup, enfin légèrement plus vite. Voilà pour 3 heures. Il a fait un demi-tour un peu bizarre, on a mis la panique. On sera pas full discret, mais tant qu'il tire pas, qu'il n'y a pas d'alerte. Ah, il y en a un deuxième là-haut. On va essayer de se dépêcher de le mettre KO celui-là. C'est bon. Il a laissé tomber son gun en plus avec un silencieux. Il n'y a qu'une balle par contre. On va donc y aller à main nue. Bon, je pense pas qu'il va capter quel cadavre, ça ils s'en foutent, hein. C'est pas un jeu d'infiltration. Il n'y a rien à foutre que son... pour lui il fait une sieste. Rappuie-moi parce qu'il me grille de toute façon, j'arrive pas. Hein. Voilà, bon voilà, tu m'as vu. Voilà. Il n'y a pas de flingue là apparemment. Il n'y a rien ici, pas de secret. 5 cul-de-sac. Bon, je voulais me la faire en full discret, on s'est foiré. Et au niveau de la gourde, il y a une fontaine là-haut. Je pense qu'on est à fond, mais par sécurité. Au pire, ça nous remettra de la vie. Bon, on avait vraiment perdu rien du tout. Je pensais qu'on avait perdu au moins un tiers. Ça disparaît assez vite, mine de rien. Tant qu'on n'a pas... Dès qu'on enlève la gourde en fait, ok. Sinon ça reste assez longtemps. Bah y a un problème là, j'ai dû louper un truc. Ah ah. Peut-être. Tout simplement. C'était bien ça. C'est vrai que quand c'est comme ça, pas besoin de sauter, il le fait automatiquement. Merde. Chat, il y a moyen de se le faire. J'ai jamais voulu essayer de le faire en mode discret, mais vu que j'ai pas une totale de... un total contrôle sur la caméra, et que je galère à mettre à couvert, c'était forcément évident. Et au moment où il peut y avoir un replay value, essayer de se le faire en mode discret, quoi. Ouf, je l'ai jeté. Pas mal. Voilà, on se rattrape par un peu d'action. De toute façon, ouais. Je crois pas qu'on tue... Ah si, on marque, on les jette. Il faut les jeter dans le vide si on veut les tuer d'un coup, parce que sinon on leur casse pas le cou, un truc comme ça quoi. C'est pas comme si on les... C'est pas comme dans Metal Gear ou autre, dès qu'on a quelqu'un dans le dos, on le tue instantanément. Vous avez vos papiers? Nine-Nine, c'est intimidant. Montrez-moi vos papiers. Yeah, c'est bon ça. Oui, on peut se le faire en mode discret. Et voilà, on est arrivé. On l'a fait au moins une fois. Bon. On voit le chemin se dessiner devant nous, mais de toute façon il y a rien d'autre à faire.
Allons-y. Je cadre bien quand même, voilà. Là, je pense que c'est le genre de situation où il faut descendre. Parce que là, ça va pas être ici. Je crois pas. Hein. C'est un peu en haut sur le toit, mais c'est pas Assassin's Creed. Non, je pense qu'il faut descendre. Et on peut pas descendre, ouais. Là, si je tombe, on meurt. On va voir si j'appuie juste sur la touche lâchée. Ça va. Il est pas mort. C'est ce qui compte. Et lui, il est là. Et on va récupérer son flingue. Peut-être qu'il aura plus de balles. Ouais. Merde, je voulais recharger. J'ai tiré. Oh, tant pis. On a perdu une balle. Il y en a toujours 3. Mais y'a rien, c'est bien vide ici. Quoique, faut passer par là, par là. Est-ce qu'il est... Il arrive. On le voit pas à travers la vitre. Il est en face. Il n'y a pas de bouteille là pour essayer de détourner son attention. Bah, dégage, sinon on va foncer sur toi puis on va y aller, hop. Fouf. Attends, on va l'enchaîner comme ça. Pour prendre des risques. J'ai plus de balles de toute façon. Puis on va pas faire de bruit avec notre flingue. Voilà. Elle est où la tienne d'ailleurs? Il a dû la faire tomber. Elle est là. Une balle. Cool, des munitions pour revolver. Bon, là il y a rien. Hein. C'est que ça va l'ouvrir là, apparemment. Si il y a un passage en dessous du pont, c'est qu'il y a une raison. Donc on va y aller. Bon, j'espère que le fait de pas pouvoir descendre d'une corde et monter ne va pas me poser trop de soucis. Et je vais boire un coup déjà pendant que j'y pense, parce qu'on a perdu pas mal de vie là avec la connerie. Voilà, on est full life. Donc je pense qu'il faut sauter en face, attraper la gouttière. Ouais, c'est quasiment sûr, parce que je pense pas qu'on puisse atteindre directement la plateforme. On va essayer. C'était bien ça. Est-ce que c'est pas si téléphonique ça quand même, à part les chaînes qui tombent du ciel là, enfin de non, c'est ouf. Comme ici là, puis la Batman avec les gargouilles. Sinon les trucs quand même. Il faut regarder un petit peu l'environnement. Je vais prendre le feu manuellement parce que là j'arrive pas à le sortir. Et vu que je me suis mis en mode difficile, pas envie de faire de conneries. Voilà. C'est bon, on est passé de l'autre côté. Il y a un flingue. Et des munitions, voilà. On va pouvoir recharger. On a un chargeur plein et on a un deuxième d'avance. Bon, on peut pas aller... On va pas frapper normal et rentrer ici quand même. J'ai forcément dû louper un truc. Au-dessus. Comme l'impression que... Je pense pas qu'on puisse aller par là, mais on dirait qu'on peut. Non, je pense pas, je fais fausse piste là. Fausse route plutôt. J'aurais cru qu'on aurait pu s'agripper en haut, mais de toute façon on aurait pu aller nulle part.
De là. Je vais revenir là-bas, j'ai dû louper un truc. Y'a pas de truc pour grimper là, y'a pas de liane. C'était pas qu'un secret quand même. Non, y'a ça et tout, c'est obligé qu'on doit passer par là. Y'a un truc qui m'échappe, c'est tout. Action. Bah si, on rentre à la... On passe par la porte, j'appuie sur le bouton d'action pour... C'est que vu que je joue en difficile, comme je le dis, j'ai pas d'indicateur, on va à droite et du coup je pense que c'est plutôt quand on rejoue le jeu qu'il faut faire comme ça, en essayant de se le faire en mode discret. En plus. Donc on fait une fois en normal et une fois en mode difficile, en essayant de se la jouer à la Splinter Cell. Comment il s'appelle déjà le héros de Splinter Cell? Parce qu'on sait que c'est Solid Snake pour Metal Gear, mais j'ai oublié comment il s'appelle le héros de Splinter Cell, merde. Il va falloir que je me réhabitue à mes touches. J'ai changé aussi. J'espère que c'est bientôt fini tout ça. À qui tu parles? Ouvre l'œil quand même. Il y a du monde. Göring m'a promis un petit cadeau quand j'aurai fini cette mission. Cet accent allemand. Bon. On va quand même essayer de marcher. Peut-être faire du bruit. Ouais. Bon, il n'y a personne en fait. Quoique, ça continue. Y a rien à faire. Ah ouais, bah ok, bon, on s'arrête là et on attend alors. C'est forcément quelqu'un, parce qu'on a entendu parler. Ça peut pas être lui. Ah bah tiens, voilà. Ouf. Ils sortent les flingues. Bon pour lui. T'es où toi? T'es à Manu? Ah, t'étais à Manu. T'as préféré ramasser ton flingue. Voilà, c'est bon. Du coup, je sais pas trop si on échange de flingue ou quoi à chaque fois. Mais dans le doute, je vais garder ce... On a quand même pas mal de balles, on va garder... Cela, là. On va y se recharger. Pour anticiper. Voilà. L'Easter Egg, des petits trucs à une pièce du Moyen-Âge ou je sais pas, une petite relique, que dalle. C'est bizarre. Hein. C'est que la déco, c'est bizarre que tout ça soit... Ah bah non. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pied le table. C'est un petit peu tard que je ramasse ça. Peut-être pour lui là, non? Je pense qu'il a eu sa dose depuis longtemps. Mais... Bon. Vous savez où, par où passer, hein, si vous jouez... Vous n'êtes pas passé par là encore. Faites un petit tour dans la cellule là, avant d'aller croiser les messieurs en train de jouer aux cartes ou je ne sais quoi. Bon, on se casse, hein. Oh! Je veux dire, ça me paraît un peu facile. Et bien vide aussi, mais non. Ok. Oh bordel. Je le sens vraiment pas. 1. 2. 3. Bon, ça nous a pris 1 sur 3, 4. On va pas trop demander s'il y a bien. Là aussi, c'est bon. C'est passé. Pas mal. Justement, je commence à m'ennuyer, on va dire. À me dire que c'était plus facile que le premier truc, donc il y avait un problème. Wow. Oh. Est-ce qu'il n'y en a pas qu'un? Bah oui, il y a tout un couloir. Bon là ça me paraît un peu plus facile, quoique ça se lève aussi. Faut observer un petit peu minimum comment ça se passe. Ah ok, ça fait un espèce de 8 ou un S, enfin voilà. Ah ils sont deux, ok. Oh la connerie. Non c'est bon, on remarque. Une roulade. Ouais. Oh putain faut que je bois. C'est dans ces cas-là que je me dis que j'aurais dû rester dans mon salon. Ouais, comme tu dis. Je dirais qu'on allait recommencer depuis le début là. Bon, la moitié de la vie, ça a pas forcément été évident, mais on a déjà plus de chance que tout à l'heure là, parce que là, on se faisait à peine effleurer, on y passait. Oh, ça va être chaud. Je vais stopper de touche. Pouah.
Je pensais qu'on allait y rester. Dès qu'il y a une fontaine là, faut que je fasse le plein. Ah bah. Y'a qu'à demander. J'avais écrit voir quelqu'un, mais non. Il n'y a personne. Une porte normale. C'est bizarre parce que j'ai l'impression de passer à côté de la moitié du jeu. Bah déjà là. Ah mais c'est là où on est passé, il y a deux secondes. On vient de faire tout ça pour libérer quoi. Parce que j'ai pas suivi ce qu'on a foutu en fait. Là. J'ai avancé. Je crois qu'il faut repasser par là. Hein. Je suis pas sûr. La porte, on va essayer. Je pense que c'est la porte plutôt. Je suis sûr de rien. J'ai pensé avoir d'être passé à côté de la moitié du niveau quoi. Parce que j'ai pas de bucket secret quoi que ce soit. Que dalle. Parce que c'est ça qu'on n'a pas activé encore. Apparemment c'est ça. Ouais. Voilà. Bon ça va entendre pas trop longtemps en rond à chaque fois. Descends mec. Ah, y a son pote derrière avec son. Avec un flingue. J'entends de venir. Merde, ça me touche pas. Ils sont tous les deux des flingues. Dans ce cas-là, attendez les gars, moi aussi je vais sortir le mien. Un fort combat. Elle est où ton pote? C'est barré ou quoi? J'ai eu les deux sans m'en rendre compte. Ouais, je pense que ça doit être ça. Donc c'est cette porte là qui s'ouvre. De toute façon, j'avais pris la bonne direction. Ah, faut le fouiller là. Loin. Il doit y avoir un truc à activer. Ouais parce que là il n'y a même pas de sol je crois. Et je pense pas qu'en sautant en mettant un coup de fouet. Quoique si on dirait qu'on peut faire ce genre de truc. Oh c'est bizarre parce qu'ils en parlent pas, il n'y a même pas eu dans le tutoriel, il n'y en a pas eu le passage comme ça là. Ça paraît logique, donc on va tenter mais si on meurt, on va tout, je recommence depuis le début. Je vais quand même regarder une dernière fois. Il y avait la porte donc qui était verrouillée tout à l'heure, mais ça, je pense qu'elle est toujours verrouillée. De manière... Ah bah, d'où tu sors toi, foiré. Mais, bordel, colle-le. Ouais, ça fait mieux que rien. Il a fait voler le chapeau. Bon, tu vas pas nous casser la tête longtemps toi. Non mais t'es résistant gars toi. Vous êtes en quoi vous les Allemands là. Attends, tu commences à m'énerver. Ça y est. Ça y est. Il a le chapeau. Yeah. Hop. Bon, en bas, je crois pas que j'ai été voir là, d'ailleurs. Ah si, mais c'est le début ça, on est passé par là tout le début, c'est bon. Non, restez bien, hein, c'est bon, c'est défait. Et donc, le seul truc qui me paraît plausible là, c'est le fait de se suspendre avec le fouet. On va tenter ça. De toute façon, je dirais... Quand t'arrives ici, c'est le seul truc qui te vient à l'idée, en plus c'est une porte en face, donc ça te dit c'est bien qu'il faut passer par là. Donc, on saute et un coup de fouet. Je vais vérifier voir si c'était bien la bonne combinaison pour pas me foirer. Je cadre bien la caméra. Et let's go. C'était ça putain. Y a rien à faire. Quoi? Tout ça pour se retrouver ici comme ça. Bon,
On dirait qu'on peut aller sur la gauche. Je sais pas si on pouvait se déplacer. Okay. J'ai pas réussi à réceptionner de l'autre côté, bordel. Bon, savoir, on commence pas vraiment tout au début, c'est déjà ça. Est-ce qu'il faut passer par là ou pas? Ouais, parce que c'est pas ouvert en bas, donc il reste... je sais plus c'est quoi les étapes. On va voir. Quelqu'un qui sort là, non, je crois. Non. J'espère que c'est bientôt c'est fini tout ça. Ouvre l'œil quand même. Donc la machette, c'est pas forcément plus utile. Un petit cadeau quand j'aurai fini cette On va prendre ça direct. Ah oui, c'est ça, ça me revient, c'est la prison là. Je vais pouvoir normalement prendre une arme. C'était où déjà? Ah mais ils vont voir. Mais déjà je sais, on va garder nos balles. Et avec ça, ça devrait déjà être mieux. C'est pas mal des phases de combat quand même. C'est incroyable quand même, mais c'est parce que je suis en difficile. Il me semblait pas que c'était comme ça au début quand même. Voilà. Deux au moins. Il y a ça activé normalement. Non. Non. C'est bizarre, il me semblait pourtant que j'avais activé ça tout à l'heure. Non, bah non, il s'en fout. Ah non mais non c'est ça, je crois que j'ai confondu, c'était pour ouvrir, c'est... Bref. Le chapeau. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ah ouais c'est vrai, j'avais déjà oublié ce passage. Bon. Niveau de la ville. On en est ouf. Par sécurité. Une petite goutte. Et toutes les chances de l'autre côté pour sortir d'ici vivant. C'est passé. Oh. Là aussi. Finir ce qui reste dans la bouteille mais... Ah, je me suis foiré complètement là. Ça va être chaud. Faut pas que je m'en prenne un seul ou un seul, pas plus. Je saute par-dessus l'un. Oh, puis on va passer en dessous de lui. On va sauter par-dessus lui. Voilà. C'est dans ces cas-là que je me dis que j'aurais dû rester dans l'enseignement. Oh ouais, j'ai oublié ça. Je suis foiré. Bien. C'est bon. La pause, par défaut, j'avais pas réussi à l'enlever, c'est sur le joystick qu'on appuie dessus, donc parfois... On veut se déplacer un peu vite quand la vie brusquement sur le joystick, ça l'active, bon, c'est rare. C'est la première fois que ça me le fait, je crois. Bon, le bâton, de toute façon, je sais pas s'il va nous servir, là, du coup. Donc, ouais, si, c'est ça. Ils vont arriver. Je laisse le bâton ici.
J'ouvre la porte. Allez. C'est déjà ça, on a déjà eu un. Ouais. On va revoir tout de suite. Donc ouais. Faut passer sur la gauche apparemment ici là. Je vais essayer de rester suspendu sans tomber. Et tourner. J'ai pas l'impression qu'on puisse tourner. Ah, c'est, j'ai compris. Le fait d'avoir regardé un peu plus... Du coup, j'ai vu un peu mieux comment c'était fichu. Et on va faire ça. Et hop, le tour est joué. Eh, pas mal. Parce que je l'ai pas vu venir, du coup. Mais là, j'ai bien fait de regarder... Le fait de m'être mis au centre et de regarder comment c'était... J'ai pu voir comment c'était. Enfin, bref. Bon, ça va descendre une espèce d'ascenseur. Ah ouais, c'est le truc sur lequel on était... Elle peut pas grimper, c'est vrai. J'espère que je vais pas me foirer. Mais du coup, on va où là? On fait quoi? Si je peux pas grimper, comment je fais? Parce que là, en passant par le clavier, ça ne fonctionne pas. Ouh, j'en ai pas tombé. Mais c'est tout ce qu'il y avait à faire. Est-ce qu'on a loupé un truc? Je suis sûr qu'on a loupé un truc en haut. Moi, apparemment, il n'y a pas l'air d'y avoir d'ouverture en haut, en tout cas pas de ce point de vue là. Bon, là, il y a toujours un truc pour pouvoir aller de l'autre côté, en tout cas ça nous permettra d'aller à la porte. Oh non! Putain, on va pas assez loin en fait. Du coup, on peut même pas revenir en face. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien? J'espère que c'est bientôt fini tout ça. Ouvre l'œil quand même. Göring m'a promis un petit cadeau quand j'aurai fini cette mission. Voilà, perdu de temps là. Il y en a marre. Du coup ça sert à rien de faire ça parce que c'est juste pour ouvrir, mais il y a juste un bâton. Ouais, on s'en fout. Ça servira du flingue. Tout ce qu'il fallait pas. C'est dans ces cas-là que je me dis que j'aurais dû rester dans mon salon. Au cas où, parce que là, si on s'en prend un, j'imagine que ça pardonne pas. Bon, ça va. Ça a pu tuer d'un coup. Ce n'est pas le cas, et tant mieux.
que j'avais réussi à esquiver tout à l'heure, même pas là. C'est vrai qu'on speed aussi. Fermé de toute façon. Y a rien à faire. C'est ça. Il y a déjà en bas. Bah. J'avais dû l'oublier celui-là. C'était pas mal en Chine. Il y a quand même pas mal de coups hein. C'est pas répétitif en tout cas. Bon, on sait comment aller en face. Enfin, plutôt comment faire tomber l'ascenseur pour je ne sais quoi en fait. Ah, j'en ai marre. C'est bien mais c'est juste que là je sais pas trop ce que je fous. Si on serait tombé, j'aurais été dégoûté. Ah, ça va. Ça déconne pas. Une fois qu'on est accroché, on est accroché, c'est tant mieux. Il y avait ça. Peut-être que ça n'aurait... Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Est-ce qu'il tombe après? C'est une fausse piste, on peut pas grimper dessus. Et à gauche c'était fermé de toute façon. Je reteste quand même. Y a rien à faire. Qu'on peut faire comme ça par l'autre côté. Je crois pas, hein. On va voir. Non. Donc tout à l'heure j'ai réussi à sortir. Sortons de là déjà. On est venu ici pour faire tomber un ascenseur. Je vois pas l'utilité pour l'instant. Ah si, il y a une corniche en haut. Il a fallu que je grimpe un peu plus haut. Mais je ne peux pas parce que on va quand même faire. J'ai appuyé sur start rapidement. Option. Commande. Si je mets non. On sort de là. J'espère que je vais pas tomber. Et donc là. Voilà. Ouais, c'est indispensable, mine de rien. Mais pourquoi ça fonctionne pas? Je sais comment faire, au pire. Je vais passer directement sans le... Que par le clavier. C'était la dernière solution, mais... C'est vraiment étrange. Oh putain, on se balance à peine. Ici, ce sera mieux. Ouh.
Je voulais voir si en bas il y avait un truc d'intéressant ou pas. Parce que j'ai l'impression de passer à côté quelque chose. Donc voilà, je referai un patch all in one avec une meilleure configuration pour le gamepad, ne vous inquiétez pas. C'est à prévoir, hein, mais... Je vais me boire, là. Qu'une balle. Là j'en ai un peu plus. Voilà. Il n'y a pas de fontaine, il n'y a rien. C'est tout ce qu'il y avait apparemment. Donc on vient d'ici. Là c'est là où on était tout à l'heure où il y avait le levier. Donc ça se passe par là. Bon, je pense qu'il n'y a pas de problème avec les rats. Allez, parlez-vous de là. Bizarre. Sans piège, mieux. On y va. Merde. La fontaine elle est bouchée quoi. Ça déborde. Du coup on va faire grimper le niveau de l'eau. Il y a des alligators qui vont rentrer. Je sais. Bon on est à Prague et ça m'étonnerait qu'il y ait des crocodiles mais bon. C'est quoi ces conneries? Il est trop loin pour que je l'accède. Avec deux leviers. J'ai activé les deux. Ah mais non, mais je peux pas activer les deux en même temps. Si. Alors parce qu'à chaque fois il y a l'autre qui se décale. Là ça ne change rien si. Ah si, bah voilà, ça change ça. Là, on va être obligé de passer encore par le petit menu de la commande. Pour le moment, on va se débrouiller comme ça.
En tout cas, c'est décalé à gauche et à droite. Pas en haut en bas. C'est vraiment étrange. Parce que pourtant, je suis déjà arrivé au tout début du jeu. Je vais pas aller aussi loin. Et ben alors. Tout à l'heure, on est grimpé par là pourtant. Ouais, bon, bref. Ce bloc en fait je vois pas trop l'utiliser à moins que c'est celui qui a ouvert l'autre porte, ouais, c'est une espèce de coulis. De poulie plutôt. Et là du coup alors. Je pense pas qu'on puisse l'avoir, mais on va essayer. Ça me paraissait un peu loin là, depuis tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai pas tenté une seule fois, mais on va quand même essayer une fois. C'est juste limite. Là aussi, est-ce qu'on va pouvoir s'agripper sans avoir à changer? Ouais, c'est bon. Et voilà. Eh bien, on aura galéré quand même. Cette poule mouillée doit se planquer quelque part dans le coin. Il y a du monde. Ah, c'est. On commence à avoir des armes un peu plus lourdes. T'as pas dû faire ça, j'aurais dû commencer par aller chercher l'arme. Voilà qui devrait égaliser nos chances. Ils sortent des camions, ces enfoirés. Mais j'ai plus de balles nulle part. Thank you.
chaud là. Ça rend pas évident. Les caméras ne m'inquiètent pas. Fini ou quoi? Deux fois que... Une bombe. Et pourquoi boum? Ah, oh, il y avait les munitions de l'arme de tout à l'heure que j'avais... Et qui est où maintenant? Qui est là? Cool. Bon. Maintenant qu'on est bien équipé, qu'il n'y a plus personne. Arrêtez de sortir. Bon, là, une bombe, c'est pour s'en manquer quelque chose. Y a rien à faire. Faut la foutre où ici, non? Ça, c'est ce qu'on voyait de l'extérieur, ça, au début. C'est plutôt là-haut. Ah, les escaliers aussi. J'ai pas vu. C'est en plus ici. Par ici qu'il faut passer, je pense. Bon, on a buté tout un régiment. C'est 150 000 dans leur... Dans leur camion. C'est tout un château mais squat dans les camions. J'aurais dû les avoir ici avec un sniper. Y a rien à faire. Bah. J'y ai cru. C'est un suspendre là j'imagine. Je vais pas faire péter la porte. C'est petit quoi, je sais pas. Crocheter ouais, après péter je pense que c'est plus la grosse porte d'entrée là qu'il faudrait faire péter mais... Même ça, ça me paraît pas très logique. Il dit pas, il dit rien. Y a rien à faire. Ah si, il dit quand même qu'il n'y a rien à faire, justement. Là on a ici aussi. Pas, on va essayer de reprendre la moto des fois que... Non, il veut pas. Dommage. C'est la moto du 3 avec... Je sais pas, il y a pas de... Ça mène nulle part ça. On a une bombe. Et bon bah alors... Ça me paraît plus logique de faire péter le du bas que le du haut quoi, mais bon... Pourquoi il y en a une en haut alors dans ce cas là aussi, c'est ça?
Y a rien à faire. Non. Si j'ai appuyé sur la touche action, on a pas voulu la poser. On va essayer qu'il y a la porte du haut. Y'a pas grimpe. Eh. Bon. Je sais pas, il voulait plus. T'es pas décidé. Là, on a rien loupé ici, là. Y'a pas de liane. Testons de la poser là. Y a rien à faire. Non, il veut pas non plus. Quoique non, c'est pas la bonne touche que j'utilise. Bon, de toute façon, là j'appuie sur la touche action, enfin frapper. Et non action, mais de toute façon ça ne change rien. On va essayer avec la touche frapper ici. Peut-être que c'est un camion qu'on va faire sauter, j'en sais rien, j'ai pas suivi là. Ah, rien du tout. Action ou frapper, que dalle. Bon, range-moi ça pour l'instant. C'est des munitions ça, c'est quoi? Non, c'est des spots. Peut-être qu'il faut se prendre une voiture, j'en sais rien moi. Non, on se colle contre cette dernière, c'est tout. Pourquoi ces crétins tiennent tellement à ce puits? Putain, je suis con. Ça, c'est le fait d'avoir vu des portes et d'avoir détruit une porte avec. Merci, Indy. Petite info. Fort utile. Les développeurs ont pensé, ils ont dit, c'est galère. Au bout d'un certain temps, on lui fait dire un truc tout haut. Et c'était bien ça. Pardon, feu d'artifice. Si possible. Voilà. Let's go. Ça sent les pièges de tous les côtés là, mais non, ça va pour l'instant, c'est plutôt cool. Ça va. Pas de requin, un truc comme ça. Ça ne devrait tarder. Normalement on doit réapparaître juste là, juste ici. Bon, on va sûrement s'arrêter là du coup, en même temps. Parce qu'il va falloir que je gère là pour les commandes, vous voyez, c'est tout bête. Bon, j'avais vraiment pas voulu faire en sorte de ne... de laisser le jeu, comment dire... reconnaître le gamepad et non passer entièrement que par le clavier. Pourquoi? Pour justement... avoir un joystick vraiment bien équilibré, un vrai joystick, parce que sinon ça veut émuler ZUSD, ça va pas être la même chose, ça sera encore moins précis plutôt, si je puis dire, que ça ne l'est déjà. Vu que là c'est vraiment c'est le top, parce que c'est vraiment le vrai joystick qui est pris en compte. Donc tout, on peut marcher, courir, tout dépend de l'angle et puis voilà, etc. quoi. Que là après du coup ça sera plus moins fluide, si je puis dire. Mais bon, au moins on pourra monter et descendre des cordes. Et donc je mettrai à jour le patch all-in-one. C'est à changer. Au pire vous remettrez par dessus, c'est tout. Voilà. On va s'arrêter ici, on aura pas mal avancé. Moi je pense qu'on a rendu la moitié du deuxième chapitre là, un truc du genre. En tout cas on est mi-chemin, ou peut-être plus proche de la fin que du début. À peu de choses près. Bon, sur ce, comme d'hab, eh bien je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Eh bon jeu à tous. Allez bye. Il est vénère, Amy. On va tout casser.